Good morning. Allez, Idan et Letus, aujourd'hui le lundi, je vais te montrer Ben Hanab, Egibat Esther, Nissim Ben Ahuda, ainsi que l'Urfouat, Efrat Mayan Bat Lea, Teila Tzipora Bat Talia, Bracha Sarah Bat Hanab, Rachel Betor, Shar Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhat Avoda Zara, Perek Dalet, Mishnah Gimel, Avoda Zara, Sherayala, Gina, Omer Chatz, Nehenin Mehen, Shalom Betova, Vein Nehenin Mehen Betova. היה שלה ושל אחרים נהנין מהן בין בטובה ובין שלא בטובה. On traduit tout de suite. Avoda Zara, une idole, שהיה לה גינה או מרחץ, qui avait un jardin ou bien un bain public, une salle de bain, mais comme à l'époque, des salles de bain, on se comprenait des bains, des grosses ambiances de bain. En tout cas, c'était des sortes de piscines, de hammam en général, des endroits de détente. Et donc maintenant, donc il y a une idole, et qui a, en plus d'avoir d'être un lieu de culte, elle a pour son honneur toutes sortes de décorations, de pièces annexes, qui embellissent le lieu de culte. Mais c'est plus un lieu de culte. Alors la Mishnah nous enseigne « Nehenin mehen shelo betova » On pourra profiter de ces guina et merchats, de ce jardin et de ces bains, chez l'obetova, sans reconnaissance, ve'en nehenin mehen betova. Mais on n'a pas le droit d'en tirer profit si on éprouve une reconnaissance. Plus précisément, regardez tout de suite le Barthénois, il dit chez l'oyalestrar la komrin. Barthénois, il explique qu'en fait, qu'on ne parle pas de reconnaissance morale, sentimentale, mais plutôt d'argent, à condition de ne pas payer de taxes. On va expliquer ensuite qu'il y a un grand problème dans ce pirouche. D'abord, on avance dans les mots, et puis après on refait de l'ordre. Aya shela veshel acherim, par contre. Donc, la Mishnah nous enseigne pour le moment. Si, devant la Guina, pour décorer, pour rendre beau le lieu de culte de la Avodah Zarah, il y a, lorsqu'on arrive, il y a un merchatz, un endroit de bain public, ou bien il y a un beau jardin, et bien le Barthénois nous enseigne qu'on a le droit d'en tirer profit, mais à condition de ne pas et ensuite être reconnaissant, tandis qu'on n'a pas le droit d'en profiter si on est reconnaissant. Et que Barthénois explique que reconnaissant, ça veut dire payer de l'argent, faire des cadeaux en retour. Par contre, « Ayashela veshel acherim » si la Guina était en copropriété, il y avait un jardin, et là-bas qui pouvait déboucher ensuite sur la Avodah Zarah et sur peu importe, toutes sortes de bureaux ou de je ne sais pas quoi, qu'il y avait là-bas une maison de particulier, un bureau, et il y avait un jardin en commun, qu'ensemble ils entretenaient, ou bien il y avait un bain en commun aussi. Alors la Mishnah enseigne, cette fois-ci, puisqu'il y a en plus de ça un autre propriétaire sur cette guina, alors Nehenin Mehen Ben Betova Ben Shelo Betova, il sera possible de tirer profit de ces lieux de détente, Ben Betova Ben Shelo Betova, que ce soit en étant reconnaissant ou bien sans être reconnaissant. Et là, on explique tout d'abord, une petite introduction très rapide. Pour la Avodah Zarah, il n'y a pas de notion de Hekdesh, de sanctifier un bien. C'est-à-dire, pour le Beth Amikdash, outre, en plus d'être un simple lieu de culte, où on fait, là-bas, il y avait les Korbanot, et il y avait toute l'enceinte du Beth Amikdash, qui étaient les biens du Beth Amikdash, le Hekdesh, donc la trésorerie du Beth Amikdash, pouvait, si elle avait des biens, et bien ces biens devenaient aussi une Gdusha. Devenaient aussi Kadosh, ils devenaient saints. Je pouvais par exemple prendre ce stylo et le rendre Kadosh. Je dis, allez, je l'offre au Beth Amikdash. Dès lors, c'est un stylo Kadosh, qui est devenu le bien de la trésorerie du Beth Amikdash. Ils pourront le revendre, dit Shekel, récupérer et donner ça pour entretenir le Beth Amikdash. Ça leur appartient. Et de ce fait, puisque ça appartient au Beth Amikdash, celui qui viendrait utiliser ce stylo transgressait le issour de Meïla. Un grave interdit, où il faut porter un korban, il faut ensuite rembourser aussi le profit qu'on a eu. Ça, c'est pour le Hekdesh, le vrai Hekdesh, le vrai Kadosh, Hachem. Tandis que pour la Avodah Zarah, le lieu de culte, la Torah n'interdit d'en tirer profit que la Avodah Zarah elle-même, le lieu de culte proprement dit, ainsi que les offrandes qu'on va lui faire, les cadeaux, les offrandes qu'on va lui faire, comme on l'a appris dans la Mishnah précédente, si on va lui amener du vin, c'est pour le servir,
Tandis que si elle possède des biens, quelqu'un va dire, allez, je vais donner mon stylo à la voix d'Azara, comme ça. Lorsque le grand moine a besoin d'écrire quelque chose, il aura un stylo à disposition. Donc il l'a offert à la voix d'Azara. C'est un stylo qui appartient à la voix, il appartient à la voix d'Azara. Et bien, il n'y a pas d'interdit de l'utiliser proprement dit. Il y a toutefois un autre problème qui va entrer en ligne de compte. C'est-à-dire, si je réussis à l'utiliser sans avoir aucune reconnaissance ou règlement à payer ensuite à quiconque, alors j'ai le droit d'en tirer profit parce qu'il n'est pas interdit à en profiter, puisque ce n'est pas une ticropette, ce n'est pas une offrande qu'on lui a fait, c'est juste un cadeau. Par contre, d'accord ? Donc c'est là la différence. Pour le moment, il n'y a pas de différence, c'est ce qui est écrit pour le moment, c'est le principe de base de la Mishnah. Maintenant, la Mishnah vient de nous enseigner, mais malgré tout, même si tu as le droit d'en tirer profit proprement dit, mais si suite à ça, tu vas te mettre à donner de l'honneur, donner de l'argent à la voix d'Azara, alors là, il y aura un problème, tu ne pourras plus le faire. Soit, comme si on reste fidèle au Bartanora, pour le moment, vous allez comprendre la difficulté qu'il y a dans le Bartanora. Mais pour le moment, le Bartanora vient nous dire, bah, écoute, tu as le droit de tirer profit de la Guina, tu as le droit de partir te baigner, même dans les bains qui appartiennent à la voie d'Azara. Mais si toutefois, il faut payer l'entrée, par exemple, eh ben, tu n'as plus le droit d'y aller. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a un problème de profiter directement du bain, mais parce qu'à cause de ton argent, tu vas entretenir la voie d'Azara. Grâce à l'argent que tu vas reverser, ils vont partir acheter toutes sortes de choses pour la voie d'Azara elle-même. Donc c'est assourd parce que tu entretiens la voie d'Azara. Ça, c'est comme ça que le Bartanora semble expliquer la Mishnah. Selon ça, il y a un énorme problème gigantesque. Regardez la suite de la Mishnah. La Mishnah nous dit maintenant, tu sais, si toutefois la guina ou le bain il est en copropriété avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, il y a en plus d'un côté la voie d'Azara, d'un autre côté, il y a le bureau de poste, donc ça appartient à tous les deux, et tous les deux entretiennent cette guina, et tous les deux entretiennent ce bien. Alors la Mishnah vient et m'enseigne, tu sais, ben dans ce cas-là, tu as le droit de profiter sans condition, tu tires profit, étant donné que tu n'es plus reconnaissant qu'envers la Vodazara, tu es aussi reconnaissant envers le bureau de poste, par exemple. D'accord ? C'est ce que ça voudrait dire. Mais alors là, une question énorme. Ça veut dire quoi ? Si on suit le Bartanora qui nous a dit qu'on, quand on parle de reconnaissance, qu'on parle de reconnaissance monnayable, d'argent, donc de ce fait, dans la Reisha, au début de la Mishnah, tu m'interdis, tu sais, tu ne reverses pas 10 shekels au bain pour entrer dans le bain, parce qu'à cause de tes 10 shekels, la Vodazara va profiter. Alors si on reste fidèle à cette explication et qu'on passe dans la suite de la Mishnah, il s'avère que si la poste et la Vodazara sont tous les deux associés à ce bain et qu'ils demandent 10 shekels, question de base, lorsque je vais donner les 10 shekels pour entrer dans ce bain, à qui ça va profiter ? N'est-ce pas qu'on va donner 5 shekels à la poste et 5 shekels à la voie d'Azara ? Alors finalement, quoi ? Comment est-ce que tu peux me permettre d'être reconnaissant, de payer donc envers la voie d'Azara, même si elle est aussi en copropriété avec quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que ça peut faire finalement ? Tu es en train, avec ton argent, d'entretenir la voie d'Azara, ça devrait être assourd. Le pirouche du Bartanora, en l'état, n'est pas logique, compréhensible. À cause de ça, le Tosfot Yom Tov, il explique qu'en réalité, on parle d'autre chose. On parle qu'en réalité, il n'y a pas d'argent. Pas forcément d'argent. On exprime qu'en fait, c'est que tu as le droit d'en tirer profit à condition que tu éprouves aucune reconnaissance. Ni tu fais un sourire, et à plus forte raison, ni tu donnes de l'argent aux moines. Ils n'ont même pas le droit de se sentir heureux, de se sentir fier, de faire profiter le public. Rien du tout. Tu rentres, tu tires la tronche, tu te trempes, et tu ressors. Et tu t'entretiens rien du tout, aucune reconnaissance. Si tu veux cracher, tu craches par terre, il n'y a pas de problème. Tu n'as aucun pardon, oui monsieur, excusez-moi, de ouais, toutes ces bonnes manières françaises, rien du tout, aucune reconnaissance à la personne. Et le Bartanora, ben je ne sais même plus comment s'explique, le Bartanora ne semble plus tellement assez facilement, c'est-à-dire, le Tosfot a expliqué qu'en réalité, le Bartanora allait nous dire, sache que tu n'as pas le droit de payer, tu n'as pas le droit, plus fortement, je sais pas comment ça rentre, je ne sais pas. Il explique, non, parce qu'il y a Kol Sheken, à plus forte raison, que des col shekel chez l'Oitensra. Alors c'est le marché, chez col shekel chez l'Oitensra. Ni tu reconnais, et à plus forte raison. Alors pourquoi tu ne me dis pas le vrai chidouche ? Ça manque de comprendre pourquoi le Bartanora a fait comme ça. D'accord ? Je sais pas interpréter exactement. Mais en tout cas, comme ça, le Tosfot explique qu'il faut expliquer la Mishnah. Qu'en réalité, donc tu rentres dans le bain, si ça n'appartient qu'à la Avodazara, il n'y a pas d'interdit concrètement d'en tirer profit, à condition de ne pas être reconnaissant, de ne pas même se montrer aimable envers le moine. Si toutefois c'est en copropriété et qu'il y a là-bas une personne responsable à
à diriger les choses et tout ça. Alors tu peux entrer, même lui dire, faire un grand sourire, lui dire bonjour, tu n'es pas en train de valoriser la voix de ça, parce qu'en réalité, cette personne, c'est l'employé de la poste. Du bête à Vodazara, de l'idole, puisqu'il est là pour s'occuper du bon déroulement, de la bonne présentation et tout ça. De ce fait, tu auras le droit de lui exprimer une reconnaissance, puisqu'il n'y aura pas en ton acte un témoignage de valorisation de la Vodazara. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.